Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie de Julnia. Tiens, j'ai oublié de jouer. J'ai oublié de faire ce qu'il fallait pendant mon tour. Alors on s'était laissé, oui, sur une sécession. Et on avait bouffé, comment il s'appelle déjà? Et Pergamon, Sparte, et pas mal d'autres choses, enfin d'autres choses, pas mal d'autres factions à côté. Hop. Alors oui, on a également pas mal de problèmes de pognon. Ça hélas, oula. Là, ça va être compliqué de le régler. Ça va prendre du temps. J'ai fait des bâtiments pour essayer de régler le problème, mais bon, vous vous doutez bien, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Je crois d'ailleurs que pour aider, j'allais à Cyrène pour essayer de choper leur cité. Faire un petit pillage en bonne et due forme. Surtout ouvrir la route vers les provinces détenues par Athènes. Voyons. Il y a encore des sinon. Faire un petit tour de la carte au cas où. Pergamon. Ici? Ok, oui, bon bah ils vont mourir tranquillou. Hein. Je dois avoir une flotte dans le coin qui traîne. Non? À Athènes. Je vais l'envoyer. Intercepter la flotte Pergame. On va terminer le tour. Je sais que j'ai de l'argent, mais je peux pas trop le dépenser, sinon on va encore avoir des problèmes. Là, on va encore avoir plus de problèmes. Là, c'est quoi? C'est l'été, donc j'ai encore un peu de revenus. Je crois que je suis dans le mieux au niveau des revenus agraires. Mais l'hiver va être compliqué. Financièrement parlant. Heureusement, j'ai des bâtiments. Faut que je développe à fond mes bâtiments industriels, en fait. C'est con, mais. Bien avoir des bonus en bâtiments agraires, mais si j'ai pas les bâtiments industriels en hiver pour garder un minimum de revenus, ça va poser problème. Notre triomphe, ouais, c'est cool. Voyons voir, lui il va où? Il va au niveau de Rome, pourquoi pas, fais-toi plaisir. Je peux les intercepter ou pas? Non, bien évidemment, ils ont fui. Ça se comprend. Si je mets en cadence rapide, je peux quand même aller à Libéum, c'est ce que je vais faire. Les garnisons se sont partiellement refaites. Presque totalement. Donc c'est pas très grave. Ah, je suis dans le négatif. Pas de chance. Là, il y a vachement de troupes quand même. Il y a beaucoup de troupes, je peux pas passer aussi facilement quoi. Je vais pas pouvoir piller comme je veux. Je vais envoyer mon empereur. Je vais le mettre également en embuscade. Et on va voir ce que ça donne.
pourrait passer directement dans. C'est pas sa capitale? Elle est où sa capitale? Ah, ok, elle est là. Ah, Paris-Tonion, pourquoi pas. C'est toujours le bordel ici. C'est la dèche. C'est la dèche, on va détourner un peu de fond. Ah quand même, hein. 4000. Ça dure combien de temps ça, 4 tours? Je suis protégé pendant 7 tours. Ok, les mecs, on va en abuser. Elle aura plus de gravitas. Mais il nous faut des thunes. Hop là. Merci. Un kick détournement là. Oh la vache. Et on va augmenter les mines, au niveau des mines. Ça non, il nous faut des revenus, de toute façon on n'a pas trop le choix. En Suébia. Oh, j'ai plus d'argent. C'est pas que je veux pas, mais j'ai plus les fonds nécessaires. J'ai pas les fonds nécessaires plutôt. On va terminer le tour là. C'est quoi, c'est les pontes ça? Bon, allez, j'ai envoyé tous mes agents au niveau de l'Égypte. De toute façon, dans tous les cas, c'est une province que je dois récupérer pour l'objectif de victoire. Victoire culturelle, je crois. Donc dans tous les cas, ils me serviront à cet endroit. Par contre, vous voyez, ça fait du déplacement. Hein. Heureusement qu'ils ont des chevaux. Ils vont plus vite. Athènes, ils ont dû voir un de mes agents, ils ont dû essayer de faire quelque chose. Oh, il y a les couches. Ils mettent beaucoup de temps à jouer les couches, je sais pas ce qu'ils font. Ça doit être un agent. Les couches, ils sont partis se coucher. Ah. Désolé, ça me fait rire. Voilà, pour les anciens, vous êtes habitués. Pour les nouveaux, bienvenue. Ouais, c'est bien un agent couche, hein. C'est dingue quand même. Alors, on va voir lequel est plus haut niveau. Il a recruté un agent juste pour m'embêter. Oh, on est en positif d'argent. Magnifique. Voilà, j'ai essayé de l'assassiner, j'ai pas réussi, hélas. On va essayer encore une fois. Bon, elle est blessée, mais c'est déjà ça de plus. Et... Voilà, on va dérober le revenu ici. Enfin, je voulais voir que font les séparatistes. Ah zut, ils viennent à Néapolis. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je vais recruter un général. Bah, je peux pas recruter des. C'est bien. Voilà, parce que ça me pose plus de problème. N'importe, allez, on peut rétablir un héritage. Légio 14. Une cohorte d'Evocati. Lui donner de niveau, hein, ça sert à rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher en fort. Ouais. Là, je reste sur une embuscade.
Non. Non, en fait, non, je sais pas. Hop. Je leur dis coucou, je vous aime pas. Chercher. J'avais pas trouvé. Ils ont une flotte ou? Ouais, ils ont une mini-flotte. Hein. Pas intéressante. Et je vais aller à Macomads pour au cas où ils passent par la mer. Je suis en négatif de thunes, c'est dommage. J'étais content, j'étais en positif, c'est pas ça a pas duré. Une joie de courte durée, comme on dit. Bon, j'ai augmenté la production de tout ce qui est. En vrai, il faudrait. Je dis ça, mais faudrait déjà que je transforme les bâtiments, quoi. Ça va, ça on va détruire. Je peux pas le détruire sans me faire des bas quartiers parce que je vais pas pouvoir les refaire de suite. Épicerie fine, voilà. On va terminer le tour comme ça. On sera pas en faillite, pas encore. Mais là, l'hiver vient. Et avec l'hiver, les bâtiments agricoles. Ouais, je sais pas. Peut-être sur un petit moins 8000 comme la dernière fois. J'espère pas. J'espère pas moins 8000. Sinon, il va encore falloir que je pique de l'argent dans les caisses. Hein. Ce serait quand même dommage. C'est pas moi qui le veux. Hein. Non. Bon, il a dû voir une de mes armées, un de mes agents, il va essayer de comploter contre eux. J'espère qu'il ne va pas y arriver, surtout. Surtout si c'est une troupe de Praetorien. Ah mon dieu, il en a recruté des mercenaires, hein. Ça m'arrange pas cette histoire. Est-ce que je peux gagner? Est-ce que je peux gagner des prétoriens quoi? Corps d'évocati, c'est bien. Après, il a de la cavalerie qui va envoyer comme un boulet. On va essayer de la jouer. Au moins pour lui faire de la perte et reprendre assez facilement la ville. Le problème là, c'est que j'ai rien dans le coin. C'est que j'ai rien. Je peux pas recruter de mercenaires parce que je n'ai pas de thunes. C'est problématique. Mais ils sont où? Ils viennent d'où? Ils viennent de terre, ils viennent de mer, hein, ils viennent d'où? J'ai aucune idée d'où va venir la menace. Je sais même pas s'ils sont sur terre ou sur mer. Alors ça craint par contre. Que s'ils sont sur mer, je peux les attendre, plus ou moins. Enfin, je peux essayer de couler quelques navires, quoi, mais je sais pas où ils sont. Ils sont là-bas. Ok, et je dois défendre quoi? Il est où le point à défendre? Waouh. Pas ouf. Pas ouf du tout. Bon, j'ai deux cohortes d'aigle, non d'évocatier, pardon. Oh, ça va être tendu, hein. Ça va être très tendu tout ça. Mes légionnaires pour absorber les. La cavalerie, je mets deux de mes cohortes derrière au cas où. Je mets les vestes, pareil. Les pauvres, j'ai plein d'avance. Est-ce que je peux débarquer dans le coin là? Je crois que c'est que là. Hein. Ouais. Et là, je vais essayer de les faire rejoindre le front. Je peux pas là-bas, on est d'accord.
cours est là. C'est pas très très important. La différence n'est pas la grande. Alors, ils vont m'envoyer de leur cavalerie, je suppose. Le Jupiter me donne la force. Hop. Là, il faut que je me tienne prêt à bloquer ce passage et ce passage au cas où. Ok, ils sont là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Laissez mon général tranquille. Je vais prendre mon général de garnison. Enfin, pour lui, s'il meurt, c'est pas très très grave. Hein. Il fait partie d'une autre dynastie. Franchement, c'est pas de la grosse perte. Allez, on va accélérer. Donc, il y a la cavalerie. Eux, ils arrivent ou pas? Ils vont se faire choper en chemin? Non, ils vont pas se faire choper en chemin. Peut-être ils vont se faire choper en chemin. Ils vont pas se faire choper en chemin. Hop là. Là, il devrait pas passer. Il voit que ça bloque. Là, contre les lanciers. Non, tranquille, là ils ont perdu la moitié de leurs troupes déjà. Cavalerie prétorienne. Ah, eux, ils peuvent faire plus mal. Mon général. Pur hasard, tu vas aller là-bas, toi. Je vais pas, juste au cas où. Hop, on retire le feu à remonter pour ces deux troupes. Là, il y a de la cavalerie prétorienne, donc hop, on va tourner nos troupes et on va leur dire d'attaquer ou pas. On verra. Là, ça passe pas. Les pertes, c'est à peu près kiff-kiff, mais pas terrible non plus. Là, ils sont maintenus. Ah, je peux bien faire le tour à une de mes unités pour attaquer derrière. Ouais, non, je vais en envoyer qu'un seul d'ailleurs. Je vais envoyer un seul de VS faire le tour. Bah, pas faire le tour. Non, j'aurais dû. J'ai pas vu là, ils sont déjà nombreux. Là, il n'y a personne qui passe par là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu envoyer cette troupe. Là, je vais les rapprocher un peu, mais pas trop non plus, histoire de pouvoir leur tirer dessus parce que je pense qu'ils vont venir m'embêter. Là, il n'y a personne, c'est vraiment parfait. Ça me dégage un front. Ils ont que des levesses, hein. Ils n'ont pas de frondeur ou quoi que ce soit. D'archer ou. Ça n'a pas l'air. Levesse. Ça, c'est bon. On les tire sur mes cordes d'évocati, mais ils peuvent pas trop parce que j'ai mes unités. Il a ses unités devant. Donc il risque de faire limite plus mal à ses propres unités qu'à autre chose. On va faire sortir la plèbe. Voilà. Mine de rien, je me prends quand même quelques projectiles. Hop, mettez-vous en mode garde. Et essayez de bien être au corps à corps. Pour éviter au maximum de se prendre des projectiles sur le coin de la goule. Oh, il y a son général là. Alors là, par contre, son général. On lui balance tout. On a un petit angle de côté, bon apparemment c'est sa cavalerie qui prend, non même pas. C'est personne qui prend, c'est pas de chance. Personne ici, ok, il n'y a personne ici. Okay. Là on n'est pas vu, on va y aller tranquillement là-bas en marchant. On a eu une vingtaine de pertes là, mais il va y avoir plus de monde au corps à corps. Plutôt une bonne chose. Hop là, des levesses, on va en envoyer ici. Ah bah enfin, ils sont plus que 6. Ils ont perdu plus de 90% de leurs troupes, mais ils tenaient hein, quand même. C'était pas cool. L'ancienne humide. Hoplite étrusque. Ouais.
choper, on va essayer de choper plus les unités derrière. Là, pareil, hop, mode garde, tous. Est-ce qu'ils ont des unités corps à corps? Ouais. Mon général, je vais le rapprocher, je vais essayer de faire en sorte qu'il se prenne des tirs. Là, son général à lui, il est pas bien, j'ai encore pas mal de vigilesse. Devra envoyer des troupes, peut-être c'est Triari. Ce serait cool. Mais les Vess. Bon, ils font quelques pertes, mais vraiment pas grand chose. Envoyer tout le monde au corps à corps, je comprends. Ils tiennent, hein. Les Triari, hein. Ils ont quand même un moral, hein. Sacré moral. Hop, eux, je vais les faire cesser le feu. Ah, bah ils ont plus de munitions. Pareil, je vais les envoyer là-bas dans ce cas. À la marche, ils sont en forme. Un coup, ça va leur faire du bien, ça va les échauffer un peu. Et eux, hop, on va stopper le feu. C'est pas intéressant. Donc je vais envoyer mes légionnaires. Voilà, on va les terminer à coup de légionnaires. Ils tiennent en formation carrée grâce au bonus de la formation carrée. Et il va avoir un général en moins, si ce n'est pas déjà le cas. Lui, il a plus de munitions déjà. J'ai l'impression que ça a fui, hein. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'il y a un groupe, c'est un groupe qui a fui. Non, mon général il tire sur le côté là. Bien joué. 108, ok, ça c'est très bien. On a réussi à passer. Vous savez quoi, je vais changer de stratégie, je vais emmener mes troupes là-bas. Oh la vache, ouais, ça va faire loin par contre. Et essayer de passer par ici. J'ai tout à fait la possibilité d'y aller. Allez-y en marchant, parce que le temps qu'arrive les copains là-bas, il y a... Ah, il y a des prétoriens. Ouais, faites feu sur les prétoriens, essayez du moins. Essayer de passer par là. J'ai pas trop le choix de toute façon. Une stratégie comme une autre. À moins que là je peux passer par là. Attends, on va changer la strat. Attendez ici. Là, il n'y a personne qui vient de ce côté, de toute façon, c'est bon. Ils sont combien? Ils sont en état d'épuisement, ils sont... Ouais, ils ont pris cher. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici. En marchant, en marchant, en marchant. Les vigilesses, ils sont très bien. Et eux, je vais leur demander d'aller... Ouais, d'accord, ils peuvent passer là. D'aller comme ça. Ouais. Non, en courant, et là en courant. Je vais choper le corps à corps. Là, il va pas vouloir me laisser passer. Hop, regardez, hop, on va les attendre. Voilà, on va les attendre avec les projectiles. On va se placer. Et ici, derrière, je mets les vigilesses. Là, il y a un corps à corps qui s'est engagé. Là, ils veulent taper mes unités. Hop. Mes unités lance projectiles. On va reculer. On va les attirer. S'ils veulent vraiment. S'ils veulent vraiment tirer les unités derrière. Ils vont devoir s'avancer. Et sinon, ils vont devoir taper celui-là. Putain, ils tiennent. Oh la vache. Ils tiennent plus que prévu. Je suis obligé de faire le tour. Oh, putain, j'ai une unité qui est en train de partir.
Oh non, 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 non. Là, c'était pas prévu, elle est partie trop rapidement, la formation carrée ici. Elle est partie beaucoup trop rapidement, là, l'unité, là. Signe de faiblesse. J'espère que ça va marcher. Ouais, le signe de faiblesse entre le temps du signe de faiblesse et le temps, ils sont barrés. Et là, là-bas, non, ça va pas être bon. Hein. Ils vont cher trop vite. Bon, bah, mon plan tombe à l'eau. Après, ils sont maintenus, confiants. Là, en vrai, si je les attaque par derrière. Ah non, ça passera jamais. Là, il y a encore des lanciers mercenaires qui sont frais, ils sont 160. Là, ils avancent pas, mais. J'ai beaucoup trop de mes unités pour pas beaucoup des. Pas beaucoup de. Pas beaucoup dans l'inverse, on va dire. L'inverse n'est pas vrai. Hop, là je vais essayer d'attaquer par l'arrière, j'ai pas le choix. Hein. Je vais essayer de bloquer. Encore des gladiateurs derrière. Les gladiateurs, mais jamais ça se bat en armée. Retournez dans votre colisée là, faites pas chier. Là je vais tenter le surnombre. Je vais tenter de les intimider par le surnombre. Mais bon, mes unités sont vraiment pas ouf quoi. Ça reste de la plèbe, des leves. Vraiment pas terrible. Ils sont 55. Ils se font défoncer ici. Je pensais qu'ils tiendraient un peu mieux, mais. Pas du tout. Bon bah un barouf d'honneur. Hein. Hop. Mon unité a fui, donc on va se faire attaquer par l'arrière, c'est fini. Mais j'avais pas le choix que de tenter. Hop. Voilà, là ça fuit déjà. On n'est pas encore à corps que ça fuit. Eux ils ont fui. Eux ils ont juste entendu les bruits des pas. Ils sont en train de fuir. On aura fait de la perte. C'est toujours une bonne chose. Ouais, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Attends, je pensais pas qu'ils pourraient recruter autant de mercenaires. Hein. Arriver à pied, là. Ah. Et il a fait son travail, lui. Ça me posait encore plus de problèmes de thunes. Déjà que j'en avais. Là, j'ai une troupe à Lilibéum. Attends, je lui ai tué son général alors. Ah ouais, mais il a pris la ville. Oh, terrible. Je lui ai tué son général, mais il a pris la ville. Je suis en faillite, forcément. Là, il faut vite que je remonte à Cosentia. Là, j'ai plus aucune troupe dans le coin. C'est terrible. Allez, on va aller à Rome. Rapido. Rapido presto, là. Monsieur. Complicado, là. Ils ont même pas attaqué ici, quoi. C'est des petits zizi, bande de petits zizi, là. Plutôt que partir en mer. Regardez, là. Ils sont frais, là. Ils sont quoi, il n'y a rien. Bon. Tac. Est-ce qu'il faut ici ah, j'aurais peut-être pu envoyer ça. Oui, ici, attendez, regardez. Leur faire prendre la mer. Ils seront là le tour d'après. Ici, ils seront là le tour d'après. Peut-être qu'ils vont prendre Cosentia, mais pas longtemps. C'est pas un problème. Ouais, mais moi j'ai plus d'argent, quoi. On va devoir redétourner un peu de fond. Non, pas lui, je peux pas. Oh la vache, attends, comment ça je peux pas détourner de fond? Russe faible. Bah, je suis. C'est bon. Hein. Pas qu'un acune qui peut faire un détournement de fond. Bah, je suis déçu là si c'est le cas. Alors si c'est le cas, je suis très déçu. Hein. Ah, ok, c'est bon. On va pas voler plus.
pas être gourmand. Ouais, oui, non, non, mais ça me permettra de me souvenir qu'il faut que je fasse cela, Ellie. Allez, les gars. Allez, je crois en vous. Athènes et ses agents, faut voir ce que ça va faire au niveau des séparatistes. Ah, saloperie. Il m'aura bien eu. Il m'aura fait perdre du temps, surtout de l'argent. Encore les couches. Oh, c'est terrible ça. Faut que j'élimine son agent, il va pas m'énerver longtemps. Surtout que le coup, je le connais même pas ni d'Ève ni d'Adam, et qui vient m'énerver direct. Ariminium. Bon. La résolution en mode automatique, en mode agressif, on va lui reprendre les villes, de toute façon il n'y a pas le choix, il a pas eu de perte. C'est ça mode agressif, putain. Je dois avoir du monde là sur Rome bientôt. Non, ils ont pas débarqué. Putain, ils vont aller sur Patavium. Oh, ils vont faire un trou, c'est pas vrai. Bon, j'ai de la chance, j'ai pu augmenter les impôts là temporairement. Bon. J'ai pas la portée. Terrible. Terrible, j'ai vraiment pas la portée. Là non plus. Si j'ai la portée, ok. On va reprendre la police. Lui il fera rien. Lui, tâchez pas. Lui il pourra pas prendre Rome, de toute façon. Est-ce que je peux aller à... J'ai pas une troupe qui peut aller à Patavium parce que là ça va être les prochains sur la liste. J'aime pas la blague. J'ai pas envie de courir derrière, derrière 36 000 unités quoi. Séparatiste, bon là c'est des classistes. Un classiste, c'est pas un souci. Ok, lui il peut arriver à Rome déjà. Ça devrait être bon. Le tour de prochain, ça devrait être bon. J'ai pas de thune quoi. Ils m'ont vraiment pas attaqué quoi, mais faites un effort les mecs. Vous avez de l'honneur ou ça se passe comment là? Bon. Mes compétences vous appartiennent. Ils sont... Avant qu'il m'assassine un agent. Voilà. On s'en débarrasse. Je ne sers que Rome. On verra pour les autres. Attends, c'est pas lui là où il gagne plus d'argent t'es sage, rien à foutre des sages, voilà, massacre. Putain. 47% tu te fais avoir par un sage. T'as la poisse. Allez, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob.